بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكونتيني إنو تامين نشابيت لو تحريم النياحة على الميت كلي حرام بو فا نياحة سبجا بو لامنتي بو كريي فوفو بو فا بان pratique qui Benjamin tu peux faire dans l'époque jahiliya quand Benjamin fin mot. Alors pour rappel, pour que nous remettons dans le sujet, niyaha c'est quand par exemple Benjamin surtout ben madame dans l'amour soit dans une musibah, je crie fofo, je pleure et quand je pleure je invoque malheur, je dis ben parole de détresse, je dis ben parole qu'il a dans comment dire montrer qu'il n'est pas satisfait avec Allah subhanahu wa taala ce décret. Je ça dit mon kin mola, je cause li, je fais ta adout, je mets de l'avant tout ce ban qualité, je crie à un tel comme ça, li comme ça, li comme ça, li ti comme ça. Et na dit mon je rase, je CV, je fane, je CV, je dessine, je ban linge, je t'inflige, je même ban quelque chose. Alors tout ce ban affaire là, tu peux na dans l'époque jahiliya. Et pour nous gagner l'idée qui quantité ça ti courant nous trouver qui Imam An-Nawawi rahmatullah alayhi il met énormément hadith là non puisqu'il y a une dizaine nous peut-être dans notre époque nous vous dire mais qui fait une fait un autant long chapitre là on quelque chose qui nous pas trop trouver dans cette époque et dans l'époque Rasoul sallallahu alayhi wasallam les types bien courants ça et ben voilà moi j'ai nous donc un dimon qui fait ça il fait un grand péché et là c'est un à un certain niveau sa action là il y a même Jimoun dans Koufre qui fait parce que comment nous trouver il directement à l'encontre de l'injonction Coran avec parole Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et surtout il y a là-dedans une parole Koufre pas accepter Allah subhanahu wa ta'ala ce décret comment dire faire affront avec Allah subhanahu wa ta'ala et là-dedans donc il y a Koufre qui Allah protège nous donc nous continuons prochain hadith 1663 وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت رابطة با أن بامي من غران صحابيات كي تابل أم عطية سنو ساسي سكونيا سنو سي نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها ألو لي ستي تن نومال ما كانو جيت سولاز سا مومان كت رسول الله سلام دون بي في بان مدام بان بايعا وكلي دان مدينة نسيبة تين زن مدام les petits bien jeunes et donc les petits embrassent l'islam avant que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam rentre dans Madina les petits parmi les premiers musulmans dans Madina et ils finissent énormément à la cause de l'islam les spécialités qui étaient qui les petits participent dans bataille enfin pas dans bataille mais les petits parlent dans une expédition djihad ensemble avec les musulmans quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans djihad c'est un missier qui allait mais il prend un petit groupe de madame qui allait ça c'est important nous connaît les points petits groupes de madame Nialé, ce qu'ils appellent ban paramilitaire. Ça veut dire pas pour prendre l'épée pour la guerre, mais il y a un travail qu'ils ont fait. Par exemple, je suis mangé, je donne ban missier. Et il y a des gens qui blessé pour qui je et il y a les autres travail encore qui ban madame là faire. Alors nous Shaiba radiyallahu anha les petits contents al ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les petits jeunes, les petits bien agiles et les petits peut faire donne ban ban qui fait jihad et na manjimon qui peut pour shahid li dans jot de l'eau et li donc li ti parmi ban madame qui quand rasoul sallallahu alayhi wasallam ti vient dans madina je ti allé pour faire bay'a avec lui ça mentionné dans ayat Coran alors li rapporté il dit akhadha alayna rasoulullah sallallahu alayhi wasallam عند البيعه الا ننوح quand rasoulullah sallallahu alayhi wasallam ti fait nous faire bay'a prend l'engagement prend pacte avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui veut pas accepter l'islam, je veut pas accepter Allah comme je t'arrête, accepter Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme Rasul et entamant une injonction encore, je peux faire namaz, je peux donner zakat, je ne pas pour faire ça, je ne pas pour faire shirk, je ne pas pour faire telle affaire. Comment il était, nous déjà connaît Bay'a. Alors parmi là-dedans, il dit quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu peux faire nous faire Bay'a et tu peux dire nous faire Bay'a, Allah n'a nous qui nous pas pour faire Niyaha. Alors ça montre nous qui quantité sa pratique là, il tient une pratique qui est répandue à l'époque là. Quand il fait ça, ben, madame là fait bay'a, prend l'engagement qui ça aussi je ne peux pas pour faire. Parce que madame même tu peux faire ça, plus beaucoup.
Et nous avons une partie qui est encore aujourd'hui dans l'époque, peut-être parmi nous, il n'est pas trop répandu, mais il y a certaines sociétés, une culture, qui encore et dans cette pratique-là. Autant que madame crie, faux, je décide, je l'aime, je afflige, je même. Prochain hadith 1664, وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال rapporté par سيدنا النعمان بن بشير رضي الله عنهما. Il dit, أغمي على عبد الله بن رواح رضي الله عنه. Un autre, parmi les grands sahabans, Abdullah ibn Rawah, radiyallahu anhu, nous vous rappelons ces histoires dans la bataille de Mu'ta, quand le Rasoul sallam t'y met, tu avais trois dîmons, comment dire, à la tête, c'est Zayd ibn Harith, radiyallahu anhu, mes trois camarades, jeunes, bien jeunes, ils disaient que si Zayd tombait à l'eau bannière, bouvine dans la main, son cousin, Ja'far ibn Abi Talib, al-Tayyar, radiyallahu anhu, quand Ja'far tombait, bannière vint dans la main de Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu. Donc tous les trois furent shahid dans sa bataille. Alors là, Abdullah ibn Rawaha, il est malade. Donc il tombe sans connaissance, par sa maladie. Fadja alat ukhtuhu tabki, ce CF commence à pleurer. Il commence à dire wa jabala, wa kaza, wa kaza. Là, il donne l'exemple de Niyaha. Comment dire, dit là quand il criait, peut-être ce CF croit les mots. Les crier, oh, un tel, ah, c'est une montagne, ça. Les peut faire éloge, souffrir, ça, c'est une montagne, parmi les gens. Ça, les comme ça, les comme ça, les comme ça. Tu as dit, tu as dit, alors, il commence à énumérer sur ma qualité. Faqala hina afaq, quand Abdullah ibn Rawaha, radiallahu anhu, fin reprend connaissance, il dit, ma kulti shay'an illa qila li anta kadhalik, ou soit, a anta kadhalik. Tout ce qui te dit là, fin de demandement, ça veut dire, il peut, ben, ulama explique nous, qui finit à 11, qui finit une réprimande, li, qui finit dire li, comment dire, taubihan, appelle ça, istifham, inkari. Quand on pose un dimon une question, comment dire, on peut faire inkar, on peut acquise li, quand on peut poser sa question là. Nous connaissons comment il était. Est-ce qu'il toi qui ne fait ça? Est-ce qu'il toi comme ça? Donc, 11, il vient demander, tout ce qui se sert peut dire là, ah, il y a une montagne, li comme ça, li comme ça. Il dit, Ange, fin de demande-moi, est-ce qu'il vraiment est comme ça? Est-ce qu'il vraiment est comme ça? Donc, nous trouvons que même ben Ange, je rentre là-dedans, quand il y a sa pratique qui appelle Nia Hala, je deviens réprimant Manjimon. Prochain hadith, 1665, Wa'an ibn Omar, radiyallahu anhuma, qu'il a rapporté par Sayyidina Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma. Il dit, Ishtaka Sa'ad ibn Ubada, radiyallahu anhu, shakwa. Alors, Saad ibn Ubada, radiyallahu anhu, un des grands sahaba encore, il dit qu'il y a une maladie, il est malade. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya'uduhu. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, finale visite, qui donc l'a montré nous, pratique très vertueuse de al visite ban malade. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il était un chef d'État, malgré ce qu'il y était, sallallahu alayhi wa sallam, quand dit mon petit malade, les super rendez-vous de visite. Il n'est pas tu peux dire non, mais moi occupé, il y a beaucoup quelque chose, les super rendez-vous de visite. Alors, il est allé ensemble avec Ma'a Abdelrahman ibn Aouf, ensemble avec Abdelrahman ibn Aouf, radiyallahu anhu, wa Sa'ad ibn Abi Waqas, radiyallahu anhu, wa Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Alors, ça, c'est ben parmi les grands sahaba, parmi les Ashara Mubashara. Alors, falamma dakhala alayhi, quand je rentre là-bas, wajadahu fi ghashiyya, faqal. Quand je rentre là-bas, l'intome dans l'état, comment dire, sans connaissance, ou ça, comment dire, nous kazia dans un coma, comme ça. Alors, les demander, akada, est-ce qu'il fait le mot? Qalou, je dis, la, ya Rasulallah. Non, ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Fabaka Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin commence à pleurer. Alors là, nous trouvons non seulement les filles rendent visite malade, mais les filles ont un sentiment, les filles ont une sympathie pour ça, dit mon malade là, tellement que les filles commencent à pleurer. Alors là, nous trouvons Mohabbat qui est là pour ce bon sahaba qui proche. Là-dedans, c'est Saad ibn Ubada, un des bons parmi les grands sahaba, radiyallahu anhu. Donc les filles commencent à pleurer. Falamma ra'a al-qawm buka'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bakaw. Et quand ben Jimon fin commence trouve Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut pleurer, je t'y pleurer ensemble. Qal lala Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Allah tasma'oun, est-ce que je t'attendais? Donc écoute-moi, comme a dit l'IP, demande je t'attention. Inna Allah la yu'adhibu bidam il'ayn.
Allah subhanahu wa ta'ala li pa pini banjimoun par l'homme qui sortit dans cette lisier. Wala bi huzni al-qalb, ni par tristesse qui se ressenti dans cette lesquelles. Walakin yu'adhibu bi hadha, mais par contre li pini banjimoun pour ça. Alors là, il montrait wa ashara ila lisani, il montrait sur la langue. Aw yarham. Alors Allah li pini banjimoun à cause de la langue, ou soit yarham, ou soit li fait raham lo banjimoun à cause de la langue. Nous pour rappel, quand Rasoul Allah sallam sur petit garçon Ibrahim qui fait wafat, les gens pleuraient. Là ban sahaba dit man li aussi ou pleurer. Comment dire, nous capables de penser tension d'une invini, l'India nous non, nous besoin rester solide, nous besoin rester ferme. Quand dit mon mot, quand il y a un malheur, quand il y a une difficulté, alors faut pas ou pleurer. Non, d'une pas dire ça. Un humain, il besoin pleurer, il besoin sentir tristesse, il besoin sentir douleur sur lesquels fait mal, sur l'âme coulée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous ça. Et Allah fait faire pleurer ça là pour montrer nous ça quelque chose là. Il dit Allah pas pour punir l'homme qui coulait l'osa douleur qui ça dit mon l'aine ressenti, il est tout à fait normal, il est naturel ça. D'ailleurs c'est une bonne affaire, même si comme Manu Lama dit nous, même si dit mon là quand il veut pleurer sur la voix une sortie un tigin, il pleure un tigin faux sur la voix une sortie, il tant capable besoin garder la voix bas, mais si une sortie un tigin il pas de problème. Le problème c'est d'ya, c'est qui dit mon là dit là nous trouver là dit mon je commence prononce une parole kouf, je pas capable tini je même. Alors ça c'est une faiblesse dans l'iman. Alors Rasoul sallam dit Allah li pini à cause de la langue. Là dit mon là quand il pas capable faire sabar sur la langue commence dire une mauvaise affaire. Ayo qui fait mais une bizarre arrive ça, qui fait Allah entier sorou, qui fait comme ça, qui fait comme ça, ben j'ai fait nous tendez moi si j'ai besoin tendez dit mon là les questions man si constance dans dit mon là dans lesquelles dit mon là fin mot dit mon là fait accident donc l'in bousillé pour cette atrocité là, alors il commence questionner Allah, il commence challenge, il commence faire affront avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce décret. Alors tout ça là parole kufr, c'est l'Allah qui dit mon qui Allah pini dit mon ou soit Allah ou yarham comme Rasoul sallam ou soit Allah fait raham le dit mon ça même dit mon là malgré ce douleur, malgré ce calamité qui peut inflige lui, il dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est un signe iman ça. C'est à Allah qui nous appartenir et c'est vers lui qui nous pouvons tourner. Il dit subhanallah. Il dit avant de faire qui il dit alhamdulillah et ala kulli hal. Nous faisons Allah sur louange dans tout bon hal, dans tout bon situation. Allah fait une décrète comme ça, alors lui comme ça. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit avant de parole iman, il montre sabar et là, Allah subhanahu wa ta'ala fait raham l'ouli. Prochain hadith 1666 wa an Abi Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu qala rapporté par Sayyidina Abu Malik Al-Ash'ari radiyallahu anhu li dia qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ki Rasul sallallahu alayhi wa sallam finjia an-na'ihatu idha lam tatub qabla mawtiha. Sa madame qui fait niyaha, donc li applique aussi pour monsieur qui fait un métier au féminin, parce que majorité ban madame qui fait ça quand monsieur là li fait wasiya, li fait ban madame fait ça. Et na fois quand madame de sur la case pas passer, les pour amène les autres madame depuis les autres places pays les autres faire autres faire niaha. Et là sa pratique là aujourd'hui dans certaines man cultures. Et là man dit monde spécial. Quand il a l'amour, je t'ai allé pour le pleurer, pour le crier, pour le faire ça lamentation là pour mettre ça l'ambiance là. Et là dit monde qui fait ça. Pays les autres pour faire ça. Donc anna ihatu idha lam tatub qabla mawtiha. Sa madame qui fait ça. Ou soit peut-être ça, aussi c'est un missier qui fait ça là, qui fait niyaha. S'il n'est pas fait tauba avant les mots, tuqamu yawm al-qiyamati wa alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Alors pour lever yawm al-qiyama, l'oli qui pouena un sirbal, ça veut dire pouena une chemise, pouena une laise, depuis qatiran. Alors ça c'est un liquide qui coulait, qui noie et qui est une odeur puante là-dedans. Alors, très désagréable. Et wadir'un min jarab, et il peut mettre un armure depuis jarab. Alors jarab c'est une man maladie côté une man bébête qui vient la peau un dimon le démange sur la peau. Un dimon appelle ça scabies. Donc une man bébête qui vient démange sur la peau, ça man bébête là je peux faire comme dire un armure
le saut là. Donc c'est une punition pour bandi moun qui fait niyah. Prochain hadith 1667 wa an Usayd wa an Asid ibn Abi Asid at-Tabi'i. Donc un tabi'i qui appelle Asid ibn Abi Asid rahmatullahi alayh. Il rapporte an imra'atin min al-mubay'at qalat qui en parmi ban madame qui te fait bay'a avec Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Donc ensemble avec Nusayba radiyallahu anha ban madame dans Madina. لجيه كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف. alors parmi man quelque chose que رسول الله صلى الله عليه وسلم nous faire pacte, prend l'engagement quand nous fait bayat dans al ma'aruf, dans man bon action. الذي أخذ علينا les fin fait nous prend l'engagement qui Allah نعصيه qui ne pas pour désobéir lui. Allah نعصيه فيه ne pas pour désobéir lui dans sa man affaire là. Qu'ils a fait Allah نخمش وجهن qui nous pas fait nakhmisha veut dire une madame les prend ses ongles les dessia sur figure les dessia sur la peau dans détresse dans calamité qui est là. Alors ça c'est une pratique encore aujourd'hui. Si on a dit mon fait ça et on a dit mon fait ça ou soit il prend l'âme les coupe les, tout ça là haram grand péché ça qui nous pas pour faire ça wala nad'u wailan et qui nous pas pour invoque wail wail c'est malheur. Alors quand calamité vient, je dis ya waïla ou malheur ou telle affaire. Alors tout ça là pas gain droit. Voilà nashukka jayban et qui nous pas pour dessier nous linge, ça aussi je te fais. Wa alla nanshura sha'ran et qui nous pas fan nous CV. Alors ban une autre pratique encore c'est qui tient hijab fan CV et na rase de CV ou soit coupe de CV. Donc tout ça ban action là c'est ban pratique de jahiliya. Fin prend l'engagement. Madame là, fin prend l'engagement pour ne pas faire ça. Prochain hadith, 1668. Je peux terminer mon hadith là parce que tout est entré avec un seul quelque chose. Avant-dernier. Wa an Abi Musa, radiyallahu anhu, rapporté par Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, ki Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finjiya, ma min mayyitin yamud, fayakumu bakihim fayakul. N'importe qui mayat qui dit mon qui mort et il est là ben dit mon qui vient pleurer je viens je dis wa jabala wa sayyida ou nahwa dhalik. Alors ça c'est une pratique qui dit mon peut dire wa ou alif peut dire comment dire nous peut appeler un tel ou ça nous peut dire sur bonne qualité jabala jabal veut dire montagne comment sa madame là tu dis Abdullah ibn Rawah sur radiyallahu anhuma. Wa jabala, ça tient montagne parmi Banjimoun. Wa sayyida, ça tient chef parmi Banjimoun. Donc, mettre Banjimoun là sur qualité, ça c'est un de ban action niyaha et c'est haram. Alors, ça, Jimoun là, quand il mot, Banjimoun, il dit bout de côté, il dit ça. Illa wukil abihi malakan. Alors, Allah met des anges, côté ça, Jimoun là. Appointe des anges, yal hazanihi. Alors, je devine. Tape-lui l'estomac, sur la poitrine, pousse-lui. Ben, en ça, je viens, je te fais ça avec sa dimonde-là, je te réprimande-lui, je te pose-lui question, aha, kada, anta, est-ce qu'il comme ça même tu étais? C'est qui, ben, là, me dit, est-ce qu'il comme ça même tu étais? Donc, il y a une réprimande de la part de ben, ange. Et, dernier hadith, donc, 1669, wa an Abi Huraira, radiyallahu anhu, qal, rapporté par Sayyidina Abu Huraira, radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيا اثنتان في الناس هما بهم كفر انا دي كاليتي ديمون كي دان زوت انا كفر ça veut dire ou soit انا تراس كفر ديمون لا انا ايمان مي انا بان كيك شوز كي ريليف دو كفر دان لي ou soit ديمون لا كاريمون لي فين فين كافر كي زا فيه سا الطعن في النسب كي ان ديمون لي في طعن ça veut dire لي انسولتي les mal causes un nasab comme on t'a expliqué l'autre fois là tiens un chapitre qui nous t'y fait alors là un nasab c'est la généalogie ça veut dire les maltraites les mal causes sa propre généalogie son papa son dada et les remonter dans sa famille ou soit les mal causes ça pour ben les autres dimons nous t'y expliqué en détail l'autre fois là donc ça dimon là quand il fait ça il a coufre dans lui et deuxième wan niya hatu ala al mayyit fa niya lo wan dimon kin mo donc c'est ban quelque chose qui sorti dans Jahiliya. C'est ban quelque chose qui, quand un djimoun fait ça, ça veut dire qu'il relève depuis Koufre. Il y a Koufre là-dedans. Et il y a un djimoun dépendant de la circonstance dans laquelle il fait.
di moun la li même li vin kafir alors ki Allah protège nous nous ça termine nous chapitre demain donc nous pouvons pas les autres chapitres par exemple alguet ban devin alguet ban magicien alguet ban traité ban sorcier ban organiste tout ça alors nous fait droit ki Allah subhanahu wa ta'ala de nous compréhension nous dit fait ki ban pratique jahiliya qui peut pratiquer dans nos époques Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous-mêmes personnellement nos familles nos sociétés nos bastions nos communautés depuis ça et ben nouveaux pratiques qui peut rentrer nous capable dire l'époque jahiliya un peu une restée mais là nous trouver une nouveau pratique peut rentrer encore et une fois avant les sorti dans l'Inde je vous dis ça sorti dans l'Inde ça élimine les finalement c'était là où trouver pas sorti dans l'Inde les sortes l'Amérique les venir les sortes l'Europe les venir c'est ma pratique jahiliya ça pratique shaitan ça alors qui Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous de tout ça là Allah purifie nous, Allah empêche qu'il y ait une nouvelle rentrée encore, une nouvelle pratique, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous, implémente sunnat, un principe de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donne-nous la vie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.